Alors avant toute chose, je vous demanderai de bien cliquer sur la touche d'abonnement à ma chaîne YouTube si cette vidéo ou une autre vidéo de ma chaîne vous intéresse ou d'autres thématiques que j'aborde. Ça apparaît ici en bas à droite sur avec la petite vignette. Donc Mad Dog est un jeu édité par Titus en 1986 pour tous les ordinateurs Thomson 8 bits, MO5, MO6, TO7, TO8, TO9, ainsi que sur les Amstrad. C'est un jeu d'arcade. Vous interprétez donc le rôle d'un chien. Un chien, bon, pas fou, hein. Et vous devez le faire circuler pour récupérer des objets ou des oiseaux, etc. Donc, c'est un petit jeu d'arcade vachement mignon en fait et il est assez sympathique. C'est mon deuxième coup de cœur de la journée. Comme ça. Donc déjà, à chaque fois qu'on attrape un oiseau, on récupère un soleil. Et un soleil, ça donne une journée supplémentaire. Bon, c'est pas grave. Et donc là, vous voyez, il y a le sur l'écran du haut, vous avez un soleil qui indique le jour en fait. Donc comme vous voyez, à l'est, c'est le matin, au centre, le soleil, c'est le midi. Et le soir, il est à l'ouest. Comme chez nous, enfin, comme dans l'hémisphère nord en fait. Et vous voyez des objets qui apparaissent des fois. Là, il y a un nounours. Mais là, je n'ai pas récupéré un nounours. Et en fait, c'est indiqué au niveau à gauche de l'écran, sur la bande gauche, ce que Mad Dog doit récupérer. Et ça rapporte des points. Alors ça, c'est bon. Ah, il doit récupérer un briquet. Hein, ok. Donc, faut que je retrouve un briquet et que je le récupère. Donc le nounours, je n'en ai pas besoin. La balle non plus. Ah, j'ai pas réussi à attraper l'oiseau. Je vais réussir à récupérer l'oiseau. Ah, là, il y a un cœur. Hop, je m'arrête et je le prends. Normalement, je dois pouvoir le prendre là, non? Comment je fais pour prendre le cœur? Ah, c'est pas évident. Faut baisser. Donc le cœur, ça donne une vie supplémentaire. Voilà, il y a des différents décors, hein, comme vous le voyez. Voilà, j'ai récupéré le briquet, donc c'est bon. Normalement, le truc à droite, il... Ah bah non, je dois en récupérer un autre. Bon bah c'est pas ça. Donc ça joue à la manette de jeu, hein, c'est un jeu d'arcade. Alors regardez bien le soleil qui défile sur la gauche là, en haut plutôt. Là je suis déjà presque à midi donc hop. Voilà, c'est marrant, ça va son aboyer, il est en train de... Voilà, j'ai tué un rat qui s'est transformé en ours. Ah bah c'est bon. Ah c'est marrant ça, j'avais pas remarqué. En fait, on peut... On peut tuer un rat pour le transformer en ours, ça c'est marrant.
Bon, j'arrive pas à récupérer l'oiseau là, c'est pas grave. Faut que je trouve un autre os. Alors, est-ce que je peux boire un coup là? Ça fait quoi si je fais ça? Non. Hop. C'est pas grave. Hein. On peut aller à deux vitesses, on peut aller en marchant et en trottinant. Ah, il m'a piqué l'os. Rien, c'est fou ça, j'ai pas réussi à attraper les oiseaux. Ah, là, je suis en prison. Alors je perds une vie, hop. Je perds un soleil, donc quand je suis en prison, hop. Zut. Quand je suis en prison, je perds un soleil, mais bon. Alors lui, je peux tuer, hop. C'est pas grave. Hop. Bon, il est temps que je rentre à la cabane là. Ping. Encore prison. Bing, encore en prison. Ah bah Lyon. Faut faire le bout devant le. Devant le gardien de la fourrière, il faut faire le bout. Ah merde. Comment on fait le bout déjà? On fait ça. Ah oui voilà, on l'a. Quand on est assis, hop. Ah voilà, la flèche en haut quand on court pas, d'accord. Et bing. Bon voilà, j'ai perdu. Je crois que j'ai perdu, voilà. Ah, c'était Mad Dog de Titus en 1986 sur Thomson et Amstrad. À très bientôt pour une autre vidéo.